bugué longtemps, c'est que j'avais plus de batterie. Donc on était premier provisoire et l'équipe à Stéphanie, c'était troisième provisoire. Donc oui, on est dans la même épreuve. Je sais pas là on est combien en provisoire parce que du coup il y a pas vraiment de gens qui sont passés après nous. Donc je sais vraiment pas du tout. Mais on est parmi les derniers à passer aujourd'hui normalement. Bref, là je vais laisser mon téléphone à charger. Je pourrais pas vlogger un peu ce matin. Santé, ce matin on va rien faire parce qu'on a rien à faire tout simplement. On a ni passage ni rien le matin. Du coup bah on attend, on fait la grasse mat tranquillement. Voilà. Donc je vais laisser mon téléphone à charger et voilà quoi. Là je vais aller prendre un petit déj. Donc là on est arrivé sur le site, on va partir à la reco. On est encore premier provisoire, du coup on passe en tout dernier. Puis là on va regarder l'équipe là où il y a Amélie qui va passer. Du coup bah voilà. Allez Amélie! Charline Besserot est au départ, elle monte toute mouche. Représente son équipe. Allez Amélie! Oui! Avec un score sans pénalité et dans le temps, et bien c'est leur part. Un parcours sans tête. Essoro qui prend le départ, elle monte petite mouche. Allez ma chacha! Oui. Allez chacha! Allez chacha! Allez Charline! Du coup, je vais vous donner confirmation à la coach si on a l'autorisation de les passer. Vous êtes premier au provisoire, on met trop la pression, ils sont déjà premiers au provisoire pour le GDFL. Allez, ma chérie! Notons que le chronomètre se met en route. On va préparer la première cavalière. Il s'agit de Louisa. Elle est associée à Abibi Desil. Abibi Desil qui joue le rôle. Enfin, qui, du coup, c'est quand même lui qui détient le meilleur chrono depuis tout à l'heure. Donc, on va essayer de conserver ça. Allez, ma chérie! Allez Louisa, allez ma fille. C'est
C'est bien ma fille. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Et hop, hop. Allez ma fille. Allez, allez, Bibi, allez, t'es le plus beau. Donc attendez, petite pause, parce que ça va être un petit peu compliqué à comprendre l'erreur que j'ai faite. Donc en gros, ça c'est un labyrinthe. Donc il y avait deux petits plots devant, une barre au sol. Il y avait deux barres au sol, fallait qu'on passe entre les deux barres au sol, passer dans un petit chemin au bout de nos barres. Sauf que moi, j'ai mis un pied hors d'une des barres. Du coup, ça a compté comme erreur de tracé et ça m'a mis 20 secondes de pénalité. Donc aussi, je suis rentrée au trot dans mon labyrinthe. Un truc qui se fait au pas. Donc ça c'est une erreur de ma part aussi, je n'avais pas rentré dans le labyrinthe au trot. Du coup il a mis son antérieur par-dessus la barre, puis après j'ai tourné d'un coup, ça l'a un petit peu décalé. Donc c'est une pénalité auquel j'étais vraiment dégoûtée, parce que c'est pas comme si c'était la première fois que j'en faisais, je l'ai fait plein de fois aux entraînements. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Hop 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 hop. Allez allez. Allez, allez, magnifique ma chérie, magnifique ma fille, magnifique. On a le chrono de 68.04. On a de l'avance quand même. C'est bien ma fille, c'est bien. C'est quand même le 8e meilleur chrono, donc il n'y a pas de souci avec la pénalité. Fais-lui une grosse caresse et tu as très bien monté, donc ne t'inquiète pas. On se stresse. Saïna. Saïna. Et elle est associée à Paris. Allez Saïna. Allez ma chérie. Allez Saïna, allez Saïnou. C'est très bien ma fille, c'est très bien, vas-y. Allez mon chou. Et on continue avec Mia. Allez. Allez ma chérie. C'est très bien. Mia. Allez Saïna, allez. Allez, 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 allez. France. Allez Saïna, allez. Allez, super. Oh! Allez ma fille! Allez Angèle. Allez ma chérie. Allez Angèle, c'est bien, c'est bien. Allez. Allez. Parfait. C'est bien. Puis là, comme vous pouvez le voir, elle a donné un gros coup de postérieur, puis elle est tombée. Allez, Soline. Allez, ma Soso. Elle bombarde, Soline. Allez, ma chérie. Allez, ma Soline. Allez. Allez, Soso. Allez, très bien, ma Soso. C'est très bien Soso, très bien, très bien, très bien. Ouais. Allez Soline.
bien. Vas-y, Soline. Allez, 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 allez. Allez, oh, et olé. Allez, Soso. Allez, 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 c'est bien. C'est bien, Soso. Allez, 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 allez. Ouh. Je crois que c'était à l'arrêt. C'est ça, le deuxième arrêt de l'arrêt de l'arrêt, c'est un arrêt second, c'est un arrêt. Donc là, on nous annonce qu'on est champion de France, donc on était tous en pleurs. On est trop contents et tout, donc on part à la remise des prix. Puis la deuxième équipe de notre club sont vice-champions de France. Donc en tout, notre club est champion de France et vice-champion de France en équipe de club à Benjamin. Eh bien, messieurs dames, l'EGB Family est vice-championne de France, mais elle est également championne de France. Elle note ouais avec l'équipe était composée de Angèle Sejalon avec Hip Hop des Lutins, de Soline Isilour avec Confetti Weekend Co, de Louisa Blanchenot avec Habibi des Îles, de Samia Texeria et de Boroquet. Mesdames et messieurs, les Tréflas 4 poneys sont champions de France. Ouais. Et messieurs, dames, vous le savez, il manque un élément indissociable de cette réussite. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir accueillir avec vos applaudissements les coachs. Mesdames et messieurs, pour cette réussite de ce championnat de France, vous avez devant vous, messieurs, dames, les trois meilleurs des 22 équipes qui étaient engagées dans ce championnat de France Equifun Club à Benjamin. Vous le savez, nous sommes dans un championnat de France. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever et de vous découvrir en l'honneur de notre équipe championne de France que retentit la Marseillaise. Vos récompenses à vos coachs et à vos accompagnateurs pour pouvoir dans quelques instants prendre place au tour d'honneur. Comme le veut la tradition sur ce championnat de France et ses équipes, on va d'abord demander à l'équipe des surgelés et de la team Red Rocket de bien vouloir prendre la piste à main gauche, s'il vous plaît. Et le public, merci de prendre le tempo avec les mains pour accueillir le tour d'honneur de la 5e place et de la 4e place. Musique Maestro. Non, un peu. Juste ici, les pays, les gars, juste ici à droite. Écoutez, on fait un tour alors. On ressort juste en face, tiens. S'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Vous êtes nombreux, s'il vous plaît. On va demander aux piétons de bien vouloir quitter la piste. Vous allez prendre au tout petit galop. Un tour d'honneur piste à ma gauche ouverte à notre champion et nos champions de France. S'il vous plaît, faites très attention.
attention, vous êtes nombreux, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Tranquillement, on va demander aux piétons, s'il vous plaît, de bien vouloir une nouvelle fois quitter la piste. On attend qu'ils quittent la piste, s'il vous plaît. Juste sur votre droite. Nos champions de France, suivis des vice-champions de France et de la médaille de bronze. Tranquillement, s'il vous plaît, je vous le répète, pour ne pas avoir d'accident, vous pouvez prendre la piste. Piste à main gauche, au petit galop. Mesdames et messieurs, voici... Thank you.